à gauche. C'est pas là. Ah, il te reconnaît pas, c'est génial. C'est magnifique. Je vais appeler Pierre Ménès. Oui. Ah, y a un chauffeur et tout. Bah, hein. Cool. Merci. Je me moque pas de toi, moi. Non, c'est la classe. C'est 100% électrique, c'est ça. C'est silencieux, tu verras. Ouais, 100% électrique. Pas mal, hein. Pas mal, l'intérieur. Chelsea, Chelsea, c'est Goop qui a transmetté. Non, non, c'est Bin qui allait droit. Comme le match l'année dernière. Tu sais qu'on avait fait un truc rigolo à l'époque, on avait retransmis le match le lendemain au canal avec nos commentaires en direct. Et le mec m'a dit vous avez regardé le match où Pierre? Bah, je dis bah je l'ai regardé tout seul chez moi et puis c'est mieux. Et lui, il me dit bah bon pourquoi? Je dis bah parce que j'ai pas été très professionnel, parce que quand Thiago Silva il a marqué, je suis monté sur ma table là-bas. Et sur Twitter ça a commencé à prendre, tu sais, de l'ampleur et tout. Et mec, j'étais obligé, quand je suis rentré chez moi le soir, d'envoyer une photo de ma table basse. Et Thiago Silva, tu l'as déjà vu? Comment? Thiago Silva. Écoute, on s'est parlé une fois, c'était PSG Lyon féminine à Charletti, tu vois. Donc, non, pas eu l'occasion. Mais je vais pas très souvent au parc, moi, tu sais. Non, non, mais en interview, je veux dire. Non. Bah non, je dis, jusqu'à il y a peu de temps, c'était pas possible, quoi. Tu veux faire une interview avec Thiago? Ah bah si je pouvais, ouais. Avec plaisir. Et c'est là, hein. Vous êtes arrivé. Comment ça, t'es à là votre pour moi. Et voilà. Et vous êtes con, hein. Et voilà. Tu veux pouvoir faire ça pour vraiment, Thiago. Vous êtes... Ça fait deux fois que je me fais piéger dans des caméras. Ah la vache. Ouais, hey, Thiago, t'es mieux comme ça, quand même. Je le trouvais un peu chelou, le gars.